You're the best, 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 you're the best around. C'est un pilote qui est rapide, expérimenté, fiable. C'est vraiment quelqu'un de bien, en plus on s'entend bien, on est de la même génération. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, qui m'a quand même bien apporté. Quelqu'un de simple, sympa. On s'entend vraiment bien depuis qu'on est ensemble. On a déjà fait 4-5 Le Mans. C'est un des piliers de l'équipe. Un très bon pilote et qui a surtout un côté qui est, que tous les jeunes n'ont pas, c'est qu'il sait économiser l'essence, économiser les pneus et qui va toujours plus vite que les petits jeunes qui se plaignent tout le temps de la manière. Au plan humain, c'est un garçon charmant. C'est un très très grand pilote. Un palmarès du sport auto, je crois, déjà. Quelqu'un qui a gagné le champion du monde des FIA GT, ce qui n'est pas rien. Il a été quand même champion du monde des FIA il y a quelques années, il gagne le Le Mans Series, donc voilà, c'est un super pilote. Patrice, c'est d'abord, je crois, je veux dire maintenant, c'est un ami, parce qu'on se rencontre sur toutes les épreuves Le Mans Series. J'ai plaisir à retrouver Patrice sur toutes les épreuves, voilà, et on partage en plus de la course automobile, toutes sortes de plaisirs de la vie qu'on essaie d'apporter à chaque épreuve. Il sait sortir, faire la fête, mais être le lendemain très sérieux, mm-hmm. toujours présent et à l'heure. Une sorte de vieux renard des circuits. Il est toujours très sympa. C'est vraiment quelqu'un d'excellent. Ce qu'il a vécu cette année au Mans, malheureusement, parce que quand on roule sur des courses de 24 heures, on ne veut jamais être celui qui fait la connerie et qui arrête la course. Bon, il s'est fait pousser dans le mur, il a tapé, il n'a rien eu, donc... Voilà, donc il a été déçu pour tout le monde, en même temps, il a été chaque fois exemplaire. C'est un garçon qui est très respectueux, non seulement de l'écurie, mais de l'ensemble des paramètres qui constituent l'endurance. Il est un peu ours, mais sinon c'est un bon gars. D'accord. Non, il a pas mal d'humour. Il aime bien YouTube, il aime bien le hard rock, voilà, donc c'est un mec bien. C'est quelqu'un avec qui on a envie de continuer pour l'avenir. Malgré la crise et ses conséquences, le groupe TFN, fidèle sponsor de Patrice Gollard, a reconduit son partenariat automobile. Si le nombre d'engagés en championnat d'Europe est quelque peu affecté, la qualité des voitures et des équipages est bien au rendez-vous. Quatrième saison pour Patrice au sein du team Luc Alphand Aventure. Patrice va faire équipe avec Lucho et Yann Claret. Une nouveauté, le manufacturier de pneus Dunlop va remplacer Michelin sur la Corvette 72. Si Luc Alphand a dû abandonner au cours du Dakar avec la Mitsubishi, la Corvette, elle, réalise la pole position lors des essais sur le circuit Paul Ricard. C'est de bon augure pour Patrice qui remet son titre 2008 en jeu. La presse le désigne comme légitime favori. Avant cette première course, tous les pilotes se retrouvent pour la photo officielle sous le soleil de Barcelone. Patrice Gollard prend le départ en pole position et parvient à contenir tous ses adversaires, Sabine et Lamborghini. La course étant un instant neutralisée, Patrice rentre au stand, puis repart, réservoir plein. Une heure plus tard, il rend la voiture en tête, mais alors que Luc Alphand allait terminer son relais, le patron se fait piéger et sort dans un bac à gravier. Nos trois compères finissent second, Patrice aura piloté 46% de la durée de l'épreuve. À l'arrivée, un peu de frustration tout de même, tant la victoire semblait acquise. Mais Patrice le sait, une course n'est gagnée qu'au baisser du drapeau à damier.
Ce circuit ultra rapide est le plus beau de la saison. À Spa-Francorchamps, Patrice assure à nouveau le relais de départ en partant cette fois de la 3ème position. Explication, si les nouveaux pneus Dunlop sont très très endurants, il manque encore un peu de grip sur un tour qualif. Après avoir doublé la Lamborghini, puis la Aston Martin, Patrice rend le volant à nouveau en tête des GT1. Yann et Lucho vont poursuivre le travail. Philippe Poinclou, le directeur-manager du team, va lui magistralement orchestrer les arrêts au stand. Car de nombreux crashs vont émailler la course et la safety car va faire son apparition à de nombreuses reprises. Comme en 2008, la victoire est acquise avec brio, Patrice prend alors la tête du championnat avec un petit point d'avance. Les pneus Dunlop sont nouveaux pour le team, pour les pilotes mais aussi pour les ingénieurs. A chaque course, il faut définir le setup idéal de la Corvette en fonction du circuit. Une journée pneumatique est donc organisée sur le circuit de Dijon afin de préparer les 24 heures du Mans. Les équipages sont également officiellement présentés à la presse. L'usine Dunlop dépêche les techniciens spécialisés et fournit 17 trains de pneus pour les deux Corvettes et les 6 pilotes présents. Patrice est chargé de tester l'endurance de la gomme et boucle un relais de 57 tours sans aucun problème. La course des 24 heures du Mans s'annonce bien, l'ambiance est bonne, studieuse aussi au sein du team Lucas Alphand Aventure, tout comme chez Dunlop, où l'on est satisfait et encouragé par les progrès enregistrés depuis le début de la saison. Automobile. 77e édition des 24 heures du Mans et 15e participation pour Patrice Gualard. Luca Di Montezemolo, le patron de Ferrari, donne le départ. Les journalistes sont venus en nombre assister au duel Audi Peugeot prototype et Corvette Aston Martin en Grand Tourisme. Au volant d'une Ferrari, l'acteur américain Patrick Dempsey fait également sensation. Patrice fait équipe avec Lucho et Stéphane Grégoire. Il aura qualifié la 72 en 4e position derrière les Corvette usine. Impossible de mieux faire. Les Américains se réservent le meilleur moteur. Lucho prend le départ et déjà une Aston Martin met dans le mur le proto radical. Les relais s'enchaînent et Patrice se prépare pour son relais de nuit. C'est au virage du Tertre Rouge que le pire va se produire. L'Aston Martin récidive et son pilote Darren Turner envoie Patrice Gualard dans le mur à 177 km/h. Le choc est violent, la Corvette est détruite. C'est de l'abandon. Patrice est indemne mais est choqué et sonné. Le Normand a vu des étoiles. Le volant avancé de 15 cm dans l'habitacle, Patrice s'en tire avec un bel hématome. Le team ne le met pas en cause, mais Patrice est très en colère. Gentleman est un mot anglais qui ne s'applique pas à Aston Martin. Le pilote anglais qui m'a sorti a été vraiment inconscient parce que c'est un endroit du circuit très rapide où même les Peugeot et les Audi ne nous doublent pas. Il suffit d'attendre 2 secondes et après ils peuvent nous déboîter dans la ligne droite. En plus, il n'y avait aucun drapeau bleu, j'ai pas pu anticiper l'accident. Le choc n'a même pas été violent puisqu'il a juste mis une petite touchette avec son museau avant sur ma roue arrière et ça m'a projeté directement dans le mur de pneus. Le pilote anglais sera pénalisé avec un stop and go de 4 minutes, mais le mal est fait. 200 000 euros seront nécessaires pour réparer la Corvette qui devra être expédiée aux États-Unis afin de reconstruire le châssis. Dommage, le podium était jouable à la vue du résultat avec l'autre Corvette du team Alphand, la numéro 73, qui se classera seconde de la catégorie GT1. Le châssis rentré des États-Unis, les mécaniciens n'auront eu que 5 jours pour remonter entièrement la Corvette. Cette nouvelle course au Portugal se déroule de nuit sur un tout nouveau circuit aux infrastructures vraiment étonnantes. Début août, cette épreuve a des allures de vacances tant la chaleur est suffocante. Dès les premiers essais, certains pilotes vont tomber malades en raison du caractère très vallonné du circuit et des fortes températures, plus de 40 degrés à l'ombre. Dans l'équipe, Julien Jousse remplace Luc Alphand.
En effet, Luc a été victime d'une chute à moto lors d'un enduro et s'est fracturé 3 vertèbres. Après le crash des 24 heures, c'est un autre coup dur pour l'écurie Luc Alpha Aventure. Patrice prend son troisième départ de la saison et creuse d'emblée l'écart avec ses poursuivants. La nuit arrive vite, les relais s'enchaînent sans le moindre problème. Patrice, Yann, Julien, Patrice, Yann, Julien. Et c'est l'arrivée à 1h du matin. Pôle, victoire, meilleur tour en course. Cette seconde victoire de l'année conforte Patrice Gollard et ses coéquipiers dans leur place de leader au championnat d'Europe. S'accompagne par la traditionnelle course en Allemagne. Elle réserve toujours son lot de surprises. Patrice qualifie la Corvette en deuxième position, mais à mi-course, le team Alphan reprend le leadership et se laisse glisser vers sa troisième victoire de la saison. En tête avec un tour d'avance sur la Saline Larbe compétition, Julien Jousse avertit par radio une perte de puissance moteur et rentre au stand. Pour le moment, nous sommes en attente d'avoir une information de la part des mécaniciens. Ce sera apparemment un petit problème de capteur, un problème électronique. Le moteur ne tourne pas bien. Les mécaniciens vont diagnostiquer une soupape cassée. Il est cependant impératif de terminer l'épreuve pour marquer quelques points. C'est au plus expérimenté des pilotes, Patrice Gollard, à qui Philippe Boinclou va confier cette mission. Il faut en effet passer les lignes d'arrivée et faire au minimum 70% de la distance pour être classé. Patrice bouclera le tout dernier tour avec 7 cylindres sur 8 en ménageant la mécanique. Ces courses de 1000 km, soit 6 heures d'endurance, sont intenses. Une nouvelle fois au Nürburgring, le team Alphan a failli tout perdre, sauf sa détermination. Place à la finale avec un titre quasiment en poche. Mais un incendie va détruire le camion et la deuxième Corvette du team Alphan. Patrice, Yann et Julien devront se passer de rouler en essai. La raison, un manque de pièces détachées et une direction assistée qui a cassé net. Deux mécaniciens vont devoir faire l'aller-retour jusqu'en Belgique pour récupérer une pièce neuve. Sur la piste, nos compères vont tout donner et la deuxième place récompensera l'équipe de Mécano. Et Julien Jousse sortira large dans le virage de Beckett et abîme le fond plat. Sous le regard de Luc Alphan, venu en visiteur encourager son équipe, la troisième marche du podium allait conclure cette splendide saison. Devant 48 000 spectateurs, Aston Martin a battu Pescarolo, Patrice Gollard a lui remporté le titre de champion d'Europe GT pour la deuxième année consécutive, avec 44 points marqués sur 50 possibles. Chapeau! La crise économique mondiale n'a rien facilité, la saison 2009 a été très dure financièrement. Et d'autres événements comme le crash du Mans, l'accident de Luc ou encore l'incendie du camion auraient pu déstabiliser toute l'équipe. Mais Philippe Poinclou n'a pas cédé au catastrophisme et a su remotiver ses troupes. C'est donc très heureux d'avoir empoché ce titre 2009 que Patrice Gollard s'est rendu à la remise des prix du championnat d'Europe d'endurance, le Mans Series 2009. La cérémonie s'est tenue dans l'enceinte du circuit des 24 heures du Mans. Patrice a reçu sa coupe des mains de Pierre Fillon, vice-président de l'Automobile Club de l'Ouest. Les acteurs majeurs de ces disciplines ont été honorés, Pescarolo Sport, Aston Martin et même Nigel Mansell. Autre soirée de gala proposée dans le cadre du Palais des Congrès de Versailles, celle des trophées 2009 du sport automobile national sous l'égide de la Fédération française du sport automobile. Patrice Gollard y a été distingué au rang de pilote français titré sur la scène internationale du sport automobile. Au même titre que Citroën, Peugeot, Sébastien Bourdais ou encore Sébastien Loeb, Patrice s'est vu remettre une coupe FFSA. Un champion prestigieux, présence prestigieuse, celle du nouveau président français de la FIA, M. Jean Todt, devant une assemblée de 800 personnes réunies dans un cadre résolument magnifique.
Durant ces 4 années de participation au championnat d'Europe, le team Alphand et Patrice Gaulard ont décroché 17 podiums et remporté 5 victoires. Les très bons résultats 2009 assurent également 2 invitations d'office pour les 24 heures du Mans 2010. Quant à Patrice, les lignes de son impressionnant palmarès sont édifiantes. Champion du monde, double champion d'Europe, triple champion de France et 15 participations aux 24 heures du Mans. Patrice Gaulard est un vrai fan du groupe de rock U2.
et ce depuis leur début en 1980, quand Patrice faisait ses premières armes en karting. Pour leur tournée mondiale, U2 360, Patrice les a suivis à Paris au Stade de France et tout récemment au John Stadium de New York. En 2010, Patrice a déjà ses billets pour voir U2 en Andalousie, à Séville. Rien que pour vous, voici le clip de la tournée de U2 aux États-Unis.